Tu as enregistré ces dernières semaines. Prends ton temps, je te retrouve à l'ascenseur. Trois fois entre le parking et mon bureau. J'aimerais pouvoir dire que c'est illégal, mais en fait, au contraire, ils ont le droit. Par ici. Tout est prêt. Il aime pas attendre. Je viens de regarder quelques-unes de tes séquences. C'est incroyable. Barbe Noire était vraiment taré. On a tous trouvé ça si accrocheur qu'on s'est imaginé une bande-annonce centrée sur lui. Il est en train de boire du rhum, de parler avec des pirates, de raconter une histoire. Ensuite, on enchaîne sur un plan où il bondit sur son bateau et... sur son navire, pas bateau. Bref, il s'active dans tous les sens. Il saute, il se bat comme un vrai démon. Ouais, bon, il faudra modifier un peu les images d'origine pour que ça rende bien, mais ça pourrait être génial. Par la barre de Neptune, j'ai hâte de la voir. Désolée.
Bonjour, tout va bien? On est en retard? Non, vous pouvez en... Salut Mélanie, je t'ai vu arriver à l'instant. Je dois te voir quelques minutes toute seule. J'ai Laetitia au téléphone, on discute du projet Kenway. Ah, ouais, bien sûr. Je suis vraiment désolée, je te contacte dès qu'on est prêt. Ça ne sera pas long. Salut! Allô? Dis-t'as une seconde? Bien sûr que oui. Va jusqu'au repère indiqué sur ta carte, j'ai un autre service à te demander. J'aimerais relier toutes les caméras du bâtiment à un système de surveillance centralisé, mais la plupart sont mal calibrées. Encore une porte verrouillée? Aucun souci. Voilà, tu as maintenant l'habilitation niveau 2. Pas mal, je mets à jour ton communicateur. Voilà une mesure de sécurité intéressante. Tu vas devoir trouver la bonne combinaison de nombres pour régler l'onde. C'est pas compliqué, non? Choisis un nombre et modifie la valeur. Quand tu auras trouvé la bonne combinaison, tu auras accès au contenu. Les recherches. Mais je le répète, il faut comprendre qu'on n'a vraiment pas les ressources nécessaires pour accélérer la cadence. Tu vas devoir te débrouiller, c'est ta priorité numéro un. Vos produits de divertissement ne servent qu'à une chose, financer des travaux plus utiles et plus ambitieux. C'est comme ça que le monde tourne, ok? C'est avec de l'argent sale qu'on construit des hôpitaux. Tu comprends? On est à 100% avec vous, Laetitia. Notre meilleur élément bosse dessus à plein temps, mais ça ne va pas se faire en un jour. Il parle de toi. Bien, merci. À tous les deux. J'ai hâte de voir ce que vous allez nous envoyer. Je vous laisse. On se verra à l'Assemblée des actionnaires, Olivier. Oui, entendu. À bientôt. Bye. Bordel de merde! Il est beaucoup trop tôt pour qu'elle nous mette ce genre de pression. Bien. Alors, on fait quoi? On fait ce que la dame nous a demandé. On se concentre sur l'observatoire. Assassin Templier, c'est du délire. Mais je me demande ce qui va se passer à cette assemblée. Qu'est-ce que tu dirais d'aller faire un tour dans le bureau d'Olivier, histoire de regarder son agenda? Hein? Quoi? L'idée te déplaît? Tu préférerais peut-être qu'il découvre ce que tu as déjà fait? Sale pirate, je te tiens! Ce que je veux dire, c'est que je ne veux pas te pourrir la vie. Alors, fais ce que je te dis. Maintenant, va à la fenêtre. Tu ne peux pas te pointer dans le bureau d'Olivier en passant par la grande porte. Je t'ai ouvert une autre voie. Grimpe là-dessus. Tu savais qu'Abstergo était dirigé par des Templiers? Eh ben c'est vrai. Je sais, ça a l'air dingue, mais bon, on a bien mis en scène l'arrivée de l'homme sur la Lune, alors rien n'est impossible. «
Soit tu passes par cette porte, soit tu te jettes de la terrasse. C'est à toi de voir. Oh, bravo, toi. Trouve l'ordinateur. Et ne traîne pas. On cherche des infos sur l'assemblée des actionnaires. Ça vaut un paquet de fric. Et sois prudent. Des programmes de sécurité suivent les flux dès qu'on manipule des données sensibles. Tu vas devoir y aller en douceur. Sinon, ils détruiront tes données et les renverront d'où elles viennent. Thank you.
mal, petite fouine. Pirate jusqu'au bout des ongles. Maintenant, tu files à l'accueil. Il y a une courtière qui t'attend. Ouais, t'as tout compris. Ça faisait plusieurs heures que je mijotais mon coup. Attends, attends. La réceptionniste. Bouge pas. Je vais essayer un truc. Maintenant, dépêche-toi de descendre à l'accueil avant que je fasse exploser ton oreillette. Et si tu crois que tu peux me balancer, sache que j'ai effacé mes traces, mais pas les tiennes. Allongé t'as plu ? Je me suis entraîné. Je crois qu'il a un peu trop allongé. T'es dur avec moi. Ce n'est pas une de tes lignes de code. Ce n'est que du café, Rebecca. Alléluia ! Voilà notre vieille amie. Salut, je viens de recevoir un appel pour prendre des données en transfert. Ah, je croyais que tu étais venu me voir. Ouais, c'est les avantages du boulot. Fais voir ça. Une conférence à Chicago. C'est chouette, ça. Merci beaucoup. On reste en contact. Ciao, Rebecca. Écris-moi. C'est ça, Hastings. Oh, je n'en sais rien. Excellent travail. Tu m'impressionnes vraiment. Je m'excuse pour mon petit dérapage de tout à l'heure. Mais je te jure qu'on est les gentils. Si, c'est vrai. On te protège. Tu peux me faire confiance. Retourne au boulot. On reste en contact. Ouais, l'équipe.